Bon, là je voudrais rien dire, mais ça sent la correction. On m'envoie Monaco on m'envoie l'équipe de Monaco sur le terrain. Je pense que là, ça va faire mal. Salut à vous. Le championnat se poursuit aujourd'hui avec cette confrontation entre l'AS Monaco et le Racing Club de Lens. Et oui, Jean-Luc, l'arbitre s'apprête à donner le coup d'envoi. Et Laurent Paganelli est ici pour nous parler des deux formations. Merci Thierry. L'AS Monaco, situé actuellement en milieu de tableau, une victoire aujourd'hui serait la bienvenue. Le Racing Club de Lens, ils sont actuellement en position de leader, mais ils ont besoin d'une victoire pour rester à l'abri. Aujourd'hui, ils ne chercheront que la victoire. Il donne ce ballon à l'adversaire. Il est très... Oh, une frappe splendide qui crucifie le gardien. But extraordinaire. J'espère que Monaco va finir au fond du trou. Je voudrais pas dire, mais... Ouverture du score, 1-0. Chevauché fantastique. Excellent geste défensif. Oh là là! J'ai tout. Bon tac appuyé. Oui, hors jeu. Hein? Il récupère le ballon. Balle bien dégagée. Et ils perdent le ballon. Balle bien récupérée en extension par le gardien. Il expédie le ballon loin devant. Barulle. Dacour. Il trouve le poteau. Le gardien lui a subtilisé la balle. Non, c'est pas vous. Le ballon est dégagé loin devant. Il devrait dégager. Ballon précis. Bien joué. Jolie frappe. Et il effectue donc ce 6 mètres. Ballon perdu. Legvinsky. Léonard. Et il touche le montant. Dacour. Et oui. Il perd la balle. Le gardien se saisit de ce ballon sans danger. On peut souffler. La balle est dégagée par le gardien. Loin devant, tu as oublié loin devant. Et oui, oh, un ballon absolument imparable qui va se loger au fond des filets. Oh là là. Oh, cette technique! Revoyons cette concrétisation. Ils ont maintenant deux buts d'avance. Job. Mirko. Dacour. Job, but! Le ballon termine au fond des filets et c'est le délire chez les supporters. Il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils réagissent là, parce que ça fait donc, deux équipes qui se battent de cette manière. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. C'est ce que j'allais dire. Legvinsky. Dacour. Arrêt magnifique. Ah, quand même. Superbe plongeon du gardien. Très bien joué, belle parade. Bonne tête. Barul. Mirko. Legvinsky. Coup de sifflet, le score est de 3-0. Allez, on continue. Ils reviennent donc pour la deuxième période.
Début donc de cette seconde période. Le gardien a quitté sa surface. Course magnifique. Niarco. Balle donnée à la perfection. Et oui, but somptueux. Un tir superbe qui ne laisse aucun espoir au gardien. C'est son troisième but de la rencontre. Il a l'air ravi de réaliser le hat-trick. Allez, on y va. 4-0, une avance plutôt confortable. L'attaque a été enrayée. Oh, ouais. Il le détourne du bout des doigts. Je le voyais dans les buts, celui-là, Thierry. C'est un arrêt exceptionnel. Oh, d'accord. Le gardien boxe la balle. Il n'a eu que quelques arrêts exécutés, mais il a l'air content. Ils perdent donc cette balle. L'arbitre ne punit pas ce tacle. Joli. Le gardien dégage donc. Niarco. Et ça ne passe pas, le tir est bloqué. Oui, tir parfaitement bloqué. Oui, il y est. C'est un véritable renard des surfaces. Alors là, Corinne, je tiens à dire que du grand art, admirons une nouvelle fois ce but. Et une écrasante domination ici, avec 5 buts à 0. Barou. Niarco. Belle, ça passe d'un seul au-dessus de la barre. Dégagement effectué par le gardien. Il lui a chippé le ballon sur ce tacle. Oui. C'est quoi ce délire par contre? Léonard. Magnifique intervention du point. Il a l'air en bonne forme aujourd'hui. Et une tête mal ajustée. Dégagement du gardien. Éloi. Un tacle absolument inutile. Pignol. Dacour. Excellent toucher de balle. Il repousse le tir tant bien que mal. L'arbitre siffle et revient sur la dernière faute. L'équipe n'ayant pas bénéficié de l'avantage. C'est une excellente occasion. Il reprend ce ballon de la tête. Il s'empare du ballon. Hors jeu, s'il est l'arbitre, je crois. Mais c'est pas possible. 82e minute, pardon, 82e. Et le gardien doit intervenir sur cette tête. Le gardien dégage ce ballon. Et là, il récupère cette balle. Excellent bagage technique. Éloi. Julie. Niarco. Marul. Ballon bien donné. Je ne pense pas qu'il joue la comédie. Je crois plutôt qu'il se demande si sa blessure est grave. Il a été piégé en position de hors-jeu. Et le gardien récupère sa main. C'est le coup de sifflet final et il est raflé les 3 points. Un succès indiscutable. Ouch. Alors là, c'est ce qui s'appelle un coup de bol. Bon, on va se retrouver pour le prochain match. A tout de suite.